Et sur le plateau de Ce soir ou jamais, il y a donc Emmanuel Todd, votre dernier livre, L'origine des systèmes familiaux, que vous êtes venu nous expliquer il y a 3 semaines, figure aujourd'hui sur la liste des meilleures ventes de l'Express. Mais ce n'est pas l'historien démographe que j'ai invité ce soir, c'est le soutien officiel d'Arnaud Montebourg pour les primaires socialistes. Vous avez même préfacé son dernier livre, paru au printemps, et intitulé « Voter pour la démondialisation ». Alexandra Varin, vous êtes écrivain, vous n'avez soutenu personne au cours de ces primaires et pour cause, votre troisième roman qui vient juste de sortir s'intitule « J'ai décidé de m'en foutre ». C'est le portrait d'une fille persécutée par ses employeurs et qui ne s'amourache que de gros cons, je vous cite évidemment. Pour vous, la primaire, c'est Harry Potter, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, sociologue, historien des religions. Votre dernier livre écrit avec Violette Cabesso, c'est un thriller historique et métaphysique, La parole perdue. Le 22 septembre dernier, dans une tribune parue dans Le Monde, vous avez pris publiquement position pour François Hollande, le seul, je vous cite, à pouvoir relever des enjeux d'une gravité exceptionnelle. Anne Hidalgo, vous êtes première adjointe à la mairie de Paris. Bertrand Delanoë, qui ne se représentera pas en 2014, a dit qu'il espérait vous voir lui succéder. Vous êtes aujourd'hui la porte-parole de Martine Aubry pour les primaires socialistes. Vous êtes également l'auteur de 2 livres, Une femme dans l'arène et Travail au bord de la crise de nerfs. Alain Guyard, vous vous qualifiez vous-même de philosophe forain, portant la philosophie là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans les hôpitaux psychiatriques ou en prison. C'est d'ailleurs le sujet de votre roman La Zonzon, qui vient de paraître, l'histoire d'un philosophe de parloir qui monte la seule école française de philosophie qui ne recrute pas des pisse-froides normaliens ou des agrégés de Médeux, je vous cite bien entendu, mais de solides castagneurs, des videurs de boîtes de nuit et des macros de la Côte d'Azur. À côté de vous, il y a Philippe de Saint-Robert. Vous êtes l'auteur d'une 20aine de livres depuis Le Jeu de la France en 67, qui vous avait valu une lettre hommage du général de Gaulle, jusqu'à juin 40, Les paradoxes de l'honneur, paru l'année dernière. Le 5 octobre, vous avez publié une tribune dans Le Figaro dans laquelle vous regrettiez le peu de différence idéologique entre les différents partis. Et vous y disiez que la primaire socialiste relevait de l'imposture et de l'américanisation de notre mental politique. Enfin, Alain Madelin, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien candidat à la présidence de la République. Vous êtes aujourd'hui rangé des voitures, comme on dit, ce qui ne vous a pas empêché sur votre blog de passer les 6 candidats de la primaire socialiste au banc d'essai et de commenter les débats en direct. J'ajoute pour tous les fans de la célèbre bande dessinée Pascal Brutal, signée Riyad Sattouf, que le président de cette France ultralibérale, dont on voit le portrait partout et qui en est à son 3e mandat dans la bande dessinée, c'est bien vous. Commençons tout de suite par les primaires socialistes qui ont mobilisé, je le rappelle, 2,5 millions d'électeurs pour ce premier tour. Petit état des lieux, regardez. Une défaite au bout de victoire. Arnaud Montebourg n'est pas qualifié pour le second tour, mais en arrivant à la 3e place avec environ 17% des voix, il est l'un des grands gagnants de la primaire. Devant ses militants ce soir, il est revenu sur tous ces thèmes qui ont fait son succès. De la démondialisation, de la mise sous tutelle des banques, de la 6e République, de la lutte contre la corruption. Cette candidature, elle ne sert qu'à ça. Et de ce point de vue-là, elle n'en est qu'à son début. Et c'est beaucoup de choses données. Et beaucoup de déception pour tous ceux qui m'ont soutenu. Cela soutiendra toujours. Bravo. J'appelle donc à voter et à se rassembler autour de François Hollande. Je suis le candidat du changement. Je porterai ce changement de fond. Ce qui me conduit aujourd'hui à appeler au rassemblement le plus large autour de ma candidature. En rassemblant tous ceux qui veulent véritablement changer notre pays, et je crois être bien placé pour ce rassemblement, je battrai M. Sarkozy en 2012. Est-ce que quoi qu'il arrive, vous vous déterminerez pour l'un ou l'autre? Je ne sais pas encore, M. Pujadas, parce que je ne sais pas s'ils sont capables, l'un comme l'autre, de se dépasser eux-mêmes et d'aller vers les Français qu'ils n'ont pas convaincu. Arnaud Montebourg a appuyé sur 3 points qui, moi, me paraissent essentiels, que j'ai défendus et que j'ai écrits dans ma lettre aux Français. Donc, vous voyez. Je ne vais pas reprendre le projet des autres.
Ça, c'est quand même un comble que celui qui a fait près de 40% finisse par prendre le projet de ceux qui ont fait beaucoup moins. Alors quand on regarde ça, on a l'impression que la bataille idéologique a commencé. Il y a la 3 des supporters des trois principaux candidats, en tout cas ceux qui ont fait le plus de voix à l'issue de ce scrutin. Philippe de Saint-Robert, vous vous dites qu'en fait il ne se passe rien, il ne s'est rien passé. Ben, si, il s'est passé quelque chose, mais je trouve que le principe de ces primaires telles qu'elles se sont passées est extrêmement contestable. La fois précédente, les socialistes avaient consulté leurs militants. Ça, ils ont parfaitement le droit de le faire. Là, on a une appropriation des listes de listes électorales qui n'appartiennent qu'à l'exercice public du suffrage universel. Et je trouve ça profondément choquant. Bon, et je m'étonne que la droite, comme d'habitude, fasse son aplaventrisme devant ça en disant qu'ils vont en faire autant la prochaine fois. Bon, ça se passe aux États-Unis depuis toujours. Oh, bah, écoutez, justement, alors là, l'américanisation de notre mental politique, c'est pas moi qui vais m'en réjouir. Hein. Mais vous disiez aussi que c'était la victoire du centrisme, forcément. Ah ben, c'est la victoire du centrisme à la personne de M. Hollande. C'est pas évident. Je comprends pas pourquoi Borloo, Bayrou et puis Morin s'évertuent à vouloir prendre la palme du centrisme, alors qu'on a M. Hollande qui l'incarne parfaitement. Et c'est inéluctable, forcément Vous savez, le centrisme, ça ne mène à rien. C'est le vichisme du temps de paix. Hein. Ça n'a jamais mené à quoi que ce soit. Ça va. Il va ratisser à droite. Voilà, c'est tout. Alors, c'est ça, la question. Frédéric Lenoir, vous êtes supporter de... Oui, mais je trouve que cette primaire est un vrai progrès de la vie politique française. Ne serait-ce que parce que le candidat qui est arrivé assez largement en tête de cette primaire n'aurait très probablement pas été désigné par le Parti Socialiste après le congrès de Reims. C'est clair, ça aurait plutôt été Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn qui aurait été désigné, certainement pas François Hollande à ce moment-là. Et on voit aujourd'hui que c'est lui qui est en tête lorsque les militants et sympathisants de gauche votent. Donc c'est une expression démocratique, c'est un progrès démocratique. L'autre chose, le troisième candidat qui a fait la surprise, Arnaud Montebourg, il aurait été complètement marginalisé aussi. Or, la primaire lui a permis de s'exprimer. C'était une formidable tribune pour tous. Il y a eu des débats et maintenant, je pense que justement, il y a une synthèse, un rassemblement qui va s'opérer autour d'un candidat, alors qu'on a pu entendre toute leur diversité. Et ça, pour moi, c'est un vrai progrès de la démocratie. Vous voulez me dire la différence entre DFK et Hollande ? Je crois qu'il y a des différences, si vous voulez, qui ne sont pas que des différences de contenu. D'ailleurs, la plupart des candidats socialistes, à part Arnaud Montebourg, qui a donné un son de cloche assez différent, et qui, dès le départ, je pense, a une stratégie de se démarquer complètement des autres. Je pense qu'effectivement, entre Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, François Hollande, vous avez, sur les questions essentielles, plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les distinguent. Après, vous avez un certain nombre de différences dans certains domaines qui ne sont pas mineurs, et vous avez des différences de personnalité et de tempérament. Et je pense que quand on vote... On est dans la rivalité de personne, non, je suis de votre avis. Non, pas du tout de personne. Quand on vote dans une élection présidentielle, on ne vote pas que pour un programme, on vote aussi pour une personne. On vote aussi pour une personnalité. Ça me paraît très important, parce que lorsqu'il y a des décisions dans des situations de crise comme nous vivons, très importantes à prendre, la personnalité du candidat, son sang-froid, ses qualités humaines sont déterminantes. Hollande est un homme extrêmement sympathique. C'est une des raisons pour lesquelles je le soutiens. C'est antipathique. Parfois, c'est une des raisons pour lesquelles je vais vous en dire quelques mots, quand même, si vous permettez. Mais ça ne suffit pas d'être un homme sympathique, enfin, écoutez. Mais quand vous êtes à la fois un homme responsable, un homme généreux et qui prône les valeurs de la gauche solidaire, et un homme sympathique, ce qui est pour moi le cas de François Hollande, je pense que c'est un très bon candidat pour les présidentielles et ça fera un bon président de la République. Anne Hidalgo, il n'y a vraiment pas de différence, par exemple, entre François Hollande et Martine Aubry, seulement des différences de personnalité? D'abord, quand même, sur les primaires. Les primaires sont vraiment une avancée démocratique extrêmement importante. Notre 5e République doit évoluer. Il s'agit là, enfin, l'exercice qu'on a fait tous ensemble, ça a été de donner la parole aux Français, à tous ceux qui voulaient participer pour choisir le candidat ou la candidate de la gauche pour la présidentielle. C'est un exercice magnifique. C'est pas un détournement des institutions de la 5e République, non. Je crois que c'est une modernisation. Une modernisation extrêmement importante, parce que cette histoire qu'on nous raconte depuis des années sur c'est le rapport d'un homme, jamais une femme bien sûr, hein, mais d'un homme avec un peuple, je vais y revenir, laissez-moi parler, donc d'un homme avec un peuple, etc., un rapport presque de père à des sujets qui sont des sortes d'enfants dans l'attente de ce que le pouvoir voudra bien leur livrer, là tout ça est cassé. Les citoyens eux-mêmes participent à la première étape du choix, notamment pour les citoyens qui veulent là un changement de gauche, c'est-à-dire les gens de gauche et les démocrates. En ce qui concerne les différences entre les candidats,
elles sont extrêmement importantes. Moi, j'ai vu dans le résultat de dimanche soir, effectivement, une majorité de citoyens qui se sont portés vers des candidats qui prônent un véritable changement. Parce que les thématiques qu'on a vues ici, la thématique, par exemple, de la démondialisation que Arnaud Montebourg prône, nous, par exemple, avec Martine Aubry, il ne s'agit pas de fermer les frontières. En revanche, elle a porté cette idée du juste échange, c'est-à-dire entre le libre-échange et le protectionnisme, il y a un autre chemin, celui qui permet d'imposer un certain nombre de règles à des pays qui ne respectent pas les normes écologiques, les normes environnementales et les normes sociales, et qui viennent, par exemple, concurrencer l'industrie, la production européenne. Sur la question du renouvellement de la démocratie, là aussi, nous portons des propositions fortes. Les primaires, Arnaud Montebourg les a beaucoup travaillées, il a beaucoup poussé, d'ailleurs, avant même que Martine Aubry ne soit première secrétaire, il avait déjà fait cette proposition, elle n'avait pas abouti. En 2008, quand Martine Aubry est devenue première secrétaire, elle a porté ce projet, elle a pris tout le monde de court. Je m'en souviens très bien, en août 2009, quand à La Rochelle, elle a dit « on va rénover de fond en comble ce parti ». Ça passe par des primaires, par le non-cumul des mandats, par la parité. Et voilà, ce chemin est engagé. Et il y a cette volonté qui s'est exprimée, notamment dans les choix qui se sont portés sur Martine Aubry, Arnaud Montebourg et Ségolène Royal, cette volonté d'un changement en profondeur. Voilà. Et il y a des différences. Bien sûr, nous sommes tous socialistes et nous avons tous voté, d'ailleurs, Arnaud Montebourg y compris, le projet des socialistes. Mais il y a des différences de fond, des différences aussi, je dirais, d'une certaine façon, presque de culture politique et de volontarisme et de caractère. Ça, c'est un autre sujet également. Emmanuel Todd, Arnaud Montebourg, on a l'impression que c'est celui qui dit clairement, pour changer les choses, il faut changer les règles. Pour changer la politique, il faut changer l'économie. C'est ça. C'est-à-dire, je ne pense pas... Et là, c'est un sacré décalage avec... Oui, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse soutenir sérieusement qu'il y a la moindre différence de doctrine, d'idéologie entre François Hollande et Martine Aubry. Sur les questions. Ils pensent la même chose. Absolument pas. On pourrait distinguer, je dirais, des différences, sans doute, dans, ça a été dit d'ailleurs, dans le rapport à l'appareil du parti. C'est-à-dire, quand on regarde la carte du vote pour François Hollande et la carte du vote pour Martine Aubry, on se rend compte que le vote pour François Hollande, je dirais, il y a des différences régionales, il est plus fort sur l'Ouest, dans les régions qui n'ont pas trop de problèmes, mais il est assez homogène avec des très faibles variations. Alors que dans le vote pour Martine Aubry, qui est moins régulier et où la variabilité est plus forte, on sent l'influence des fédérations du parti qui sont contrôlées, pas contrôlées, etc. Voilà, donc, mais en termes de programme sur le rapport au libre-échange, je me souviens avoir affronté sur ce plateau François Hollande, qui était un libre-échangiste totalement convaincu. Je n'ai pas eu la chance d'affronter Martine Aubry en public, mais je l'ai eu au téléphone sur la question. Elle m'avait appelé très gentiment après un truc du Monde sur les émeutes de banlieue. Et donc, à la fin, j'essayais de placer mon couplet pour le protectionnisme et contre le libre-échange. Oh là là, je me suis fait retoquer comme un gamin. J'avais l'impression d'avoir une institutrice au téléphone. Donc, il n'y a pas de différence sur ces questions importantes. Mais je crois que ce qui justifie fondamentalement ces primaires, c'est que c'est vrai qu'il y avait un problème de fossilisation du Parti socialiste, qui n'est pas un parti de militants, qui est un parti d'élus, qui vit sa vie propre avec ses intérêts. Et c'est vrai que les primaires ont permis d'échapper à ça. Et le premier effet visible, donc il y a un gros effet d'inertie, avec deux gros candidats traditionnalistes, si on peut dire, Hollande et Aubry. Et le premier effet, ça a été d'ouvrir, et ça y est, on a vu apparaître quelque chose qui avait un rapport avec la vie sociale. Et donc, les thématiques absolument nouvelles de Montebourg sur le protectionnisme, sur une vision réaliste de l'économie, ont commencé, ça reste minoritaire. On commençait d'émerger. Pour moi, le premier résultat, ça fait une quinzaine d'années que je vois dans le libre-échange une partie des problèmes, et dans le protectionnisme, une solution, le protectionnisme européen en l'occurrence. Je me souviens de l'époque où le mot était tabou. Et grâce à Montebourg, qui a eu le courage d'employer le mot dans le contexte de ses primaires, ça y est, le mot protectionnisme
est dans le vocabulaire politique normal. C'est un basculement considérable et c'est quelque chose qu'on doit aux primaires. Alors d'abord, Anne Hidalgo, très vite pour que les autres aient la parole. Du vote et de la carte électorale, elle est fausse, s'il vous plaît. Justement, ces primaires permettent de sortir de l'appareil, des grandes fédérations. Et quand on regarde la carte électorale, oui, il y a des dominantes. Par exemple, Martine Aubry est très forte dans les zones urbaines et François Hollande est plus fort dans les zones rurales. Il y a des dominantes, il y a une carte géographique, mais qui ne correspond pas à ce raccourci que vous avez fait et qui n'est pas acceptable. Il y a un concept statistique qui s'appelle la variance ou l'écart type qui est sans appel. D'accord, mais je vous assure, regardez bien les choses et justement la primaire, c'était sortir... Je ne pense pas que vous allez me donner une leçon de géographie électorale. Je ne vous donnerai peut-être pas une leçon de rien du tout, d'ailleurs je ne cherche pas à vous donner de leçon, mais je vous dis simplement que... J'ai déjà les leçons de Martine Aubry sur le libre-échange. Oui, écoutez, je vais quand même exprimer, je suis... Donc, sur le vote qui a eu lieu ce dimanche, effectivement, zone urbaine et zone rurale, on a vu des différences. Mais là, nous avons donné la possibilité aux citoyens, bien au-delà de l'appareil, de décider. Donc l'appareil n'a décidé de rien. Deuxièmement, sur la question du protectionnisme et du libre-échange, la fracture qui s'est faite à l'intérieur de la gauche et à l'intérieur du PS, c'était le référendum sur l'Europe, où effectivement, il y a eu opposition entre les partisans du oui au traité constitutionnel et les partisans du non. Et nous sommes restés sur cette fracture jusqu'en 2008. Martine Aubry a réussi à faire un rassemblement, c'est-à-dire à sortir de ce qui nous opposait, repartir sur le fond. C'est toujours sur le fond qu'on arrive. Eh bien, sur les bases de l'Europe que nous voulons. Et l'Europe que nous voulons... Vous allez convaincre M. Barroso de faire l'Europe que vous voulez? On va convaincre en tous les cas les autres partis, parce que moi, je considère qu'il y a du volontarisme. Et si on renonce à tout, effectivement... Allons nous coucher tout de suite. Voilà. Nous ne sommes libres de rien. Cher monsieur, je termine juste Frédéric là-dessus. Mais voilà, donc c'est sur cette question européenne qu'effectivement Martine Aubry a réussi à faire dépasser cette fracture du oui et du non. C'est là-dessus qu'on a construit une position qui est celle du juste échange. Alors je veux bien que ce soir on dise aux Français, il ne s'est rien passé, c'était pas enthousiasmant et formidable. Je crois qu'ils ont plutôt vécu les primaires comme un moment enthousiasmant et formidable. Et comme un moment qui va permettre effectivement de sortir de l'ère du sarkozisme et de passer à autre chose. C'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'ambiance dans les bureaux de vote était totalement géniale. C'est dans ce sens que, globalement, on doit dire que c'est peut-être pas une avancée de la démocratie dans l'absolu, mais dans un pays où la démocratie va mal, l'ambiance autour des primaires, je veux dire, on retrouvait le plaisir d'être de gauche. Enfin, vraiment, il y a quelque chose. Vous avez trouvé ça enthousiasmant, les primaires? Écoutez, enthousiasmant, comme essayer de se prendre une ivresse avec un thé bergamote, quand même, très franchement. Non, si vous voulez, moi, quand on m'a invité ici à réfléchir un petit peu avec vous, comme ça, sur les primaires du PS, déjà... Ma première réaction, comme ça, de manière un petit peu instinctuelle, ça a été de dire primaire, bon, vous savez, c'est un peu le vocabulaire de prison. Hein. Quand quelqu'un arrive pour la première fois en prison, qu'il a pris une peine, on dit qu'il est primaire. Et alors là, je me disais, primaire PS, moi j'avais plutôt l'impression déjà qu'il était dans la récidive. Hein. Et puis après, plus sérieusement, j'ai consulté, comme tout le monde, les augures, les horoscopes. Et puis donc j'ai découvert effectivement l'apparition... de Monsieur Hollande, mais j'étais vraiment pas étonné de l'affaire, parce que si vous voulez, je crois qu'il faut dire quand même un peu les choses clairement. Le débat qui essaie poussivement d'avoir lieu, c'est quand même un débat qui est un débat d'arrière-garde, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, et tout le monde on le sait bien, hein, la politique elle est morte. Et depuis 2008, on sait parfaitement que, en définitive, là où il se joue du politique, il ne se joue rien d'autre au fond que de l'agitation de valetaille qui va être au service des intérêts qui sont les intérêts des banques et qui sont les intérêts économiques. Et alors, si vous voulez, dans cette perspective, il me semble que le PS est assez fufute. Parce qu'il se dit la chose suivante. Il se dit, bon, il faut qu'on ait une place, il faut qu'on puisse exister comme parti de gouvernement. Mais en même temps, il ne faut surtout pas qu'on fasse de politique. Parce que si d'aventure on fait de la politique, on risque d'engager le rapport de force. On risque d'engager le rapport de force avec des intérêts qui sont les intérêts économiques. Bah oui, bien sûr, on va le faire. Et à cause de cela, il n'y aura pas de place qui sera accordée au gouvernement. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, moi il me semble que l'histoire du PS qui se joue ici, c'est quoi? C'est faire en sorte que le PS ne soit plus un parti de militants. Car s'il est un parti de militants, il sera porteur d'un véritable programme. Et par conséquent, ainsi en s'ouvrant, en ouvrant le vote, en ouvrant le choix...
du représentant du PS à des gens qui ne sont pas engagés politiquement, qui n'ont pas une solide expérience militante, on va donc présenter à la tête du PS un candidat, et comme par hasard, bien sûr, c'est François Hollande, qui de tous les candidats, hein. Ouais, mais enfin, c'est déjà programmé, ah, ben qui de tous les candidats est effectivement le candidat le plus. Emmanuel Todd. Je vais aller jusqu'au bout, monsieur Todd, et puis après, il n'y a pas de problème. Et moi, je trouve ça assez intéressant qu'en définitive, Hollande apparaisse, parce que de tous les candidats, c'est le candidat le plus transparent. C'est le candidat qui n'osera pas prendre de risques. Il est pro-européen, il est pour la réforme, il est pour la rigueur. Et au fond, à quoi va-t-il servir ? À avaliser les intérêts qui sont les intérêts économiques et surtout pas politiques. Alors, c'est très intéressant parce que Frédéric Lenoir, qui est le supporter officiel de François Hollande. C'est très intéressant et je pense que c'est un discours qui serait passé il y a encore quelques mois à une époque où les gens n'avaient pas encore pris conscience de ce que la crise était là pour durer et s'aggraver. Mais ce qui est sorti, je trouve, dans les débats des primaires qui ont vraiment été bons et où les gens ont échangé des arguments, c'est que la nécessité d'une thématique de gauche, c'est-à-dire l'émergence d'un parti socialiste qui soit capable, justement, d'affronter les puissants, le système financier, les riches, montait sans arrêt. Et là où je pense que ce soir, nos débats, on débat des différents candidats, je veux dire, pour se faire plaisir et pour le principe. Mais la réalité, c'est qu'il y aura un candidat socialiste auquel nous nous rallierons tous pour nous débarrasser de l'ignoble Sarkozy. C'est que, sans problème. Mais je crois qu'on est peut-être en train d'assister à la renaissance d'un socialisme en France qui soit vraiment de gauche. Je suis d'accord avec vous. Regardez, les événements vont... On ne sait pas ce que Montebourg pourra imposer ou pas imposer, mais l'histoire va imposer des choses. C'est-à-dire qu'il va falloir redonner de l'argent aux banques. Hein, et il est évident que un gouvernement de droite donnera de l'argent aux banques. On va en débattre d'ailleurs tout à l'heure. Oui, mais c'est un truc important parce que c'était très fort dans la campagne. Oui. Donc officiellement, là, il n'y avait vraiment que Montebourg et Ségolène Royal qui Martin parlaient Aubry de ça. Aussi. Mais la réalité, c'est que Hollande soit élu président de la République ou que Martine Aubry soit élu président de la République, comme ces problèmes vont se poser, comme le système va être en crise, ils seront contraints de faire autre chose que de faire la droite. Et ils seront contraints de se gauchir par l'histoire. Mais non, Emmanuel, vraiment... Très vite. Juste, vraiment, vous ne pouvez pas renvoyer Martine Aubry et François Hollande comme ça, dos à dos. Je suis d'accord avec toute la première partie de ce que vous avez dit, à savoir, on a retrouvé le goût de la politique au bon sens du terme. Et les Français, c'est un peuple qui aime la politique, qui aime le débat. Et je crois que la violence de la crise a remis tout le monde devant cette responsabilité. Est-ce que les peuples peuvent encore quelque chose face à la finance? Mais vous ne pouvez pas renvoyer Martine Aubry et François Hollande si, dos à dos. Vous pouvez, mais moi je vous dis que ce n'est pas juste, parce que justement la thématique de remettre la finance derrière l'économie et de la remettre au service du politique et de remettre de l'humain dans tout cela, c'est quand même un élément très fort. Vous ne pouvez pas le contester, qui est porté par Martine Aubry. Je sais très bien qu'il y a autour de Martine Aubry des gens comme Hamon, qui ont compris et qui sont du bon côté. Je veux bien admettre que Fabius a voté pour le non au traité constitutionnel. Encore, je ne suis pas très confiant dans la solidité, de son attitude anti-libre-échange. Mais de toute façon, en ce qui concerne Martine Aubry elle-même et les économistes qui l'entourent, je n'ai aucune confiance particulière. Mais ça n'est pas important. Je voterai pour elle. Frédéric, si elle est candidate, ne vous en faites pas. Je pense vraiment que la crise du système va porter le Parti socialiste à gauche. Avant de vous donner la parole et à Frédéric Lenoir, Alexandra Varin, c'est peut-être le moment, puisqu'ils n'ont pas l'air du tout d'accord, que vous expliquiez pourquoi c'est Harry Potter, les primaires socialistes pour vous. Tout d'abord, en fait, j'avais pour ma part réussi à adroitement éviter la question de l'actualité politique jusqu'à ce que je vois passer dans ma boîte à lettres le slogan « C'est vous qui décidez ». Là, je me suis dit « chic, la Starac recommence ». Et donc quand je me suis rendu compte que c'était les primaires socialistes, j'ai pensé qu'il fallait quand même un peu de backup avant de me faire mon idée sur la question. Donc j'ai lu le dernier roman de Marc-Édouard Nab qui s'appelle L'Enculé et qui m'a permis d'avoir un point de vue intéressant sur la question dans la mesure où il permet d'envisager à travers la tête d'un candidat qui était potentiel et qui finalement n'a pas pu se présenter, notamment la primaire socialiste. Donc c'était très instructif. Et un peu plus sérieusement, disons que j'ai trouvé ça assez représentatif
D'un sentiment que j'ai personnellement, après je ne vais pas me porter porte-parole de ma génération, mais disons que à l'heure actuelle, la scène politique est quand même très très médiatisée. On a parlé beaucoup plus de DSK par rapport à ce qui s'est passé au Sofitel que par rapport à la campagne politique. Et pour les 25 trentenaires dont je fais partie, qu'on fait de grandes études, à qui on avait promis un salaire de 80 000 euros net en commençant avec un temps de chômage de 5 minutes en sortant de l'école et qui se retrouvent finalement tous au chômage avec un loyer trois fois plus important que ce qu'on gagne par mois. Les choix qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pas vraiment des choix pour le mieux, mais au moins pire en fait. Donc il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on a pas de conscience collective, je dirais pas que c'est le cas, parce qu'on a tous conscience que ça va pas très bien. Mais disons qu'en termes de confiance par rapport à la politique actuellement, enfin, c'est pas... Frédéric Lenoir ? Moi, je suis assez choqué hein, par le procès qu'on fait à Hollande de ne pas être socialiste, de ne pas être vraiment de gauche, d'être plus centriste. Qu'on regarde le parcours de François Hollande, et pas simplement un parcours récent. François Hollande, c'est un militant depuis toujours. C'est un homme qui a consacré sa vie à la gauche, qui a consacré sa vie au Parti Socialiste, qui s'est battu, qui a un sens du collectif, de la vie commune. C'est un idéal qu'il habite depuis toujours, et il est habité par des valeurs socialistes qui ne sont pas simplement celles des militants, effectivement, qui vont distribuer des tracts, même s'il l'a fait sans arrêt. C'est aussi un militant de gauche enraciné dans les valeurs des Lumières, dans les valeurs du 19e siècle, de tous ces grands socialistes qui voulaient changer le monde, qui voulaient améliorer le monde, qui ont promu les droits de l'homme. Et je pense que c'est cette amélioration-là de la société qui le hante, qui l'habite, et qui c'est un homme désintéressé. Il a vraiment ce sens de l'intérêt collectif très profond ancré en lui, et c'est ça pour moi la gauche avant tout. C'est pas uniquement une histoire de carte de parti. Je ne suis pas encarté au Parti Socialiste, je suis profondément de gauche pour ces raisons-là, pour le mouvement, pour la solidarité, pour l'émancipation, le progrès des libertés individuelles dans le sens de l'intérêt général, et en même temps je pense qu'on peut dialoguer avec des gens qui ne sont pas du même parti. Et si François Hollande peut séduire un certain nombre de gens qui sont centristes parce qu'ils le trouvent responsable, parce qu'ils le trouvent sérieux, et que ça lui permettra d'être élu face à Nicolas Sarkozy, eh ben je dis tant mieux. Parce que c'est une des chances qu'a François Hollande, c'est qu'il peut effectivement, tout en étant très profondément enraciné à gauche, il peut aussi toucher un électorat centriste, et je m'en réjouis. Posons la question à la Madeleine, puisque... Oui. Vous n'êtes pas de ce parti-là, le Parti Socialiste. Vous les avez tous écoutés, ça vous a beaucoup intéressé. Est-ce que, comme Jacques Chirac, vous aménageriez éventuellement de voter pour François Hollande aux prochaines élections présidentielles ? D'abord, vous avez remarqué tout à l'heure que lorsque j'ai commenté les débats, et que je vais continuer à faire demain soir, j'essaie de sur le faire... Sur votre blog. J'essaie de le faire... Oui, à la madeleine.fr, merci. J'essaie de le faire en toute honnêteté intellectuelle et sans parti pris. J'ai dit que ce que disait Hollande sur la démocratie sociale, c'était vachement bien. Ce que disent les socialistes sur la retraite à 60 ans, dès lors qu'elle est conçue comme un progrès vers une retraite à la carte, ça ne mérite absolument pas les critiques que la droite un peu réac est en train de faire. Donc je suis capable de dire ça. En revanche, pour mon pays, j'ai pas envie, franchement, d'une gauche dure face à une droite dure. Il n'y a pas de gauche dure. Ouais, mais enfin, une gauche forte. Quand on critique la gauche molle, une gauche forte. Et d'une certaine façon, je suis un peu énervé parce que il y a quelque chose que je combats. Je suis un peu seul, hein, mais je suis en faveur du libre-échange. Comment vous êtes seul? Vous êtes au pouvoir. Ce concept, vous êtes au pouvoir. Vous faites partie des dominants. Au pouvoir métaphoriquement, parce que... Bien, je peux continuer. Je dis sur le libre-échange, d'abord dans un pays qui est quand même le pays de Méline et de Maginot, dans une période de crise, qui est une période où les tentations au simplisme et au protectionnisme sont très fortes, et où le protectionniste de tous les partis, unissez-vous, n'est pas propre à la gauche et pas propre à M. Montebourg. Hein, vous avez les trois M, Mélenchon, Marine Le Pen et Montebourg, trois protégés, mais pas seulement. Comme vous le dites justement d'ailleurs, dans le programme du Parti Socialiste et dans ce que dit Martine Aubry, le juste échange, c'est un concept que je combats, parce que l'échange il doit être libre.
Et je vais pas, on ne va pas échanger juste entre pays riches. Les pays pauvres ont le droit de prendre leur part de l'échange. Oui, pour moi, c'est un concept qui n'a pas de sens. Sans oui. être contre, par exemple, les règles sociales ou environnementales. Oui, mais que, si les règles sociales et environnementales servent à dissimuler le protectionnisme, comme c'est le cas dans la plupart des elles affirmations... Elles servent aujourd'hui à détruire l'industrie européenne. Anne Hidalgo, vous avez des gens qui n'ont qu'un avantage comparatif, c'est le faible coût du travail. Ils sont pauvres et ils vont s'en sortir comme ça. Nous, nous avons bien d'autres avantages comparatifs. On a un formidable stock de capital. On a des services publics, on a des universités, on a des infrastructures. Le justement, l'échange, l'intérêt de l'échange, c'est qu'on peut tous échanger, qu'on a tous intérêt à échanger. Donc je dis simplement que sur cette ligne, Nicolas Sarkozy, comme vous dites, est au pouvoir. Nicolas Sarkozy dit la même chose. Sur le dumping social, le dumping écologique. Sauf qu'il ne fait rien. Il ne fait rien, d'accord, mais il dit la même chose. Il avait promis la préférence communautaire, que je combats pour ma part. Mais ceci pour dire qu'il y a, dans la classe politique française au sens large, une tentation protectionniste. Et moi, je crains cette tentation protectionniste et simpliste. Non, là, regardez ce téléphone. Ce téléphone, il vaut, importé aux États-Unis, 179 $. Déficit de la balance commerciale, 179 $. Je regarde. Le GPS, le Bluetooth, ça c'est fait aux États-Unis. L'écran, la mémoire, ça c'est fait au Japon. Le processeur, il est fait en Corée. Ce qui reste de l'assemblage en Chine, c'est 6,5 $. 6,5 $. Nous ne sommes pas menacés par les Chinois. Vous en tirez deux conclusions. La première conclusion, c'est que le plus simple appareil aujourd'hui, il est le fruit d'une combinaison de talents à l'échelle du monde, et que vouloir mettre des barrières dans cette division internationale du travail, c'est lousdingue. Deuxièmement, que la valeur ajoutée, il y a 50 $, il y a 50% de valeur ajoutée pour Apple. C'est-à-dire que ce ne sont pas les Chinois qui menacent nos emplois. D'ailleurs, notre déficit commercial, il n'est pas avec la Chine, il est avec l'Europe, il est avec l'Allemagne. Et là, on a les mêmes conditions de productivité que l'Allemagne. On a les mêmes salaires, on a le même euro. Et donc, la créativité, l'innovation, c'est ça qui fait la différence. Et ce n'est pas... Je combats le protectionnisme, d'abord parce qu'il y a derrière l'idée de la préférence nationale. Et je n'aime pas... Comment est-ce que vous pouvez nous raconter d'avoir fait cet outing ? Je suis pour le juste échange. Je ne suis pas pour le protectionnisme. La préférence nationale industrielle ou la préférence nationale les immigrés dehors, je suis contre. Je trouve que c'est complètement absurde. Et je trouve que, sur le fond... Nous avons un intérêt aujourd'hui au libre-échange. Et ce que je regrette, nous avons tous intérêt au libre-échange et qu'il faut mettre de la créativité, de l'innovation. Et que quand on commence à dire, nous sommes menacés par des gens qui ont un salaire plus bas que nous, ça introduit chez le patronat et chez d'autres l'idée que la compétitivité, elle va se faire par les bas salaires. Il faut baisser les salaires. Ou à défaut de baisser les salaires, il faut les subventionner en baissant les charges sociales. C'est la TVA sociale qu'avait introduite un de vos candidats. Je suis contre aussi. La compétitivité, elle ne se fera pas par des bas salaires. Elle se fera par des bons salaires. On a trop de monde bourre. On n'a pas assez de Steve Jobs pour faire ça. Alain Guillard. Non, je suis un peu halluciné par le propos, là. Les propos qui tournent autour de cette table. Parce que si vous voulez... je crois qu'on peut quand même reconnaître objectivement que depuis quelques années, il y a une crise majeure qui est... peut-être même plus encore qu'une crise du système capitaliste, qu'une vraie crise de civilisation. Et cette crise de civilisation, elle traverse toute la planète. Et je suis, moi, estomaqué d'entendre autour de cette table un démarcheur pour des téléphones, quelqu'un qui est prêt, effectivement, à inventer les mérites de quelqu'un qui a toutes les qualités. Ça s'appelle la mutation de la société. Ah bah oui, c'est super, brandir un téléphone. Effectivement, c'est peut-être mieux que brandir le livre rouge, mais enfin, comme utopie, on peut proposer autre chose au XXIe siècle. Enfin, vous voyez, on est sur une démarche comme celle-là, ou alors on me propose, effectivement, quelqu'un qui doit être un mec chic et sympa, qui, effectivement, doit bien tenir les soirées, puis bien faire rigoler sur les banquiers républicains. Ou alors, qu'est-ce qu'on me propose? Un raccourcissement sur quelque chose qui est de l'ordre du protectionnisme. Et moi, je suis quand même assez estomaqué parce que les enjeux sont quand même des enjeux considérables et majeurs. Et aujourd'hui, les propos que j'entends autour de cette table sont des propos qui sont extrêmement raccournis, extrêmement étroits. Et moi, je me demande s'il ne serait peut-être pas temps de changer un petit peu de paradigme. Or, quand on tend l'oreille, il s'est quand même passé quelque chose cette année. Ce n'est pas une réduction sur les charges pour les iPhones. Ce qui s'est quand même passé cette année, c'est un printemps arabe. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ce printemps arabe, il a fait des petits ailleurs. Donc moi, ce que je constate, c'est que le discours politique ou le discours de ceux qui veulent défendre leur place
au sein des classes dominantes, au sein des classes qui sont les classes d'État, c'est quoi? C'est finalement un discours protectionniste, mais en des termes idéologiques. C'est-à-dire, on se cramponne sur des modèles de pensée qui sont déjà archaïques. Alors que sur le plan social et sur le plan international, ça bouge, et ça bouge très très vite. Non, donc là, je me demande en définitive où je suis, quoi. J'ai plutôt l'impression d'être au musée, si vous voulez. Ce discours négatif et méprisant... Non, il n'est pas négatif. Parce que moi, ce qui m'enthousiasme, c'est ce qui se passe justement dans le corps social, partout ailleurs. Les révolutions du monde arabe sont parfaitement intéressantes et admirables. Et beaucoup plus que François Hollande. Et j'ai eu l'occasion d'écrire. Mais non, justement, on peut à la fois s'intéresser au progrès du monde arabe, au décollage de la Chine et à l'intérêt du peuple français. Je veux dire, on n'a pas à choisir. Et les partis politiques français doivent s'intéresser, gérer et protéger les intérêts du peuple français. Mais comment voulez-vous qu'un Parlement national, peut-il engager le rapport de force avec des intérêts qui sont ceux-ci? De toute façon, en ce qui me concerne, j'ai fini par me rallier à l'idée d'un protectionnisme européen, que l'Europe serve à quelque chose. C'est aussi l'attitude de Montebourg. Moi, ce que je trouvais un peu triste, c'est que, je veux dire, on a matin, c'était très triste de l'entendre agiter son téléphone portable. J'ai le même, en plus. C'était ridicule. Avec la vieille argumentation pour le libre-échange. Tous ces débats ont eu lieu mille fois. Et les idées que vous défendez sont, en fait, encore dominantes au sein du Parti Socialiste. Regardez comme Anne Hidalgo avait peur d'être accusée d'être protectionniste. Alors, je vais vous dire, je termine. Il y a une chose à dire. La gauche était libre-échangiste. Ça ne sert à rien d'agiter des téléphones portables en disant quelle fraction de la valeur ajoutée vient de telle ou telle région. Ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'il y a des phases où plus d'ouverture aux échanges est bénéfique, où une division internationale du travail accentuée et bénéfique. Il y a eu une façon de... Et puis, il y a un moment où la pression sur les salaires et la contraction de la demande et les délocalisations aboutissent pour un pays comme la France et pour l'Europe. Voilà. Mais bien sûr que si les salaires allemands sont écrasés aussi, simplement les Allemands acceptent d'avance de faire diminuer leur niveau de vie. Je vous interromps. Et donc maintenant, on entre dans une nouvelle phase. Il y a des nouvelles idées. Il faut sortir de la crise. Je vous interromps. Philippe de Saint-Robert qui attend la parole depuis très longtemps. Je rappelle que la préférence communautaire était à la base et au principe du traité de Rome et que ça a commencé à être déglingué à partir de l'entrée de l'Angleterre. La préférence communautaire, c'est que les pays européens qui font partie... Absolument. C'est valable sur la viande, ce n'est pas valable sur des produits sophistiqués. Je vous arrête tous. Je n'ai pas terminé. Il y a une chose qui m'a beaucoup choqué dans les débats des différents candidats aux primaires socialistes, c'est qu'à aucun moment vous n'avez débattu de votre position vis-à-vis de l'Europe, de Bruxelles et de la Commission européenne. Je me demande même comment vous pourrez jamais imaginer vous faire entendre par M. Barroso et les gens qui l'assistent, alors que ce sont des ultra-libéraux. Et que même François Mitterrand avait échoué à faire entrer une partie sociale dans le traité de Maastricht. Vous le savez très bien. Il n'a pas réussi. Et ça n'a pas avancé depuis. Bon. Je vous arrête juste un mot. Vraiment, la violence de la crise est telle qu'il faut tout revoir. Il faut revoir complètement le modèle. Effectivement. On ne peut plus prendre les vieilles recettes du passé. Je suis d'accord avec une partie du discours que vous venez de tenir. Il faut tout revoir. On ne peut plus continuer avec ce système où il y a une domination, il vient de déconcentrer, une domination de la finance qui... Justement, vous avez prononcé le nom. Il faut sortir de ça. Et ce que nous proposons avec Martine Aubry, vous allez le dire juste après, parce qu'on va passer à ce sujet-là. On va passer à ce sujet-là, si vous le voulez bien. Les banques françaises sont dans la tournante, hein, c'est l'autre sujet. La tournante, c'est avant que les échangistes, etc. Dans la tourmente, donc, c'est l'autre sujet d'actualité que nous allons traiter tout de suite. Petit rappel, tout d'abord, parce que ça ne fait pas que cette semaine que ça dure, ça fait au moins un mois, regardez. Les grandes banques françaises secouées. L'agence de notation Moody's rétrograde la note de la Société Générale. Baisse d'un cran également pour le Crédit Agricole. Nous l'avons dit, nous le répétons, il n'y a pas de problème de confiance dans les banques françaises. Voilà.
Moins 61% en bourse pour la Société Générale depuis le 1er juillet, moins 58% pour le Crédit Agricole, moins 53% pour BNP Paribas. L'Élysée jure que non, mais selon une information du Journal du Dimanche, une réunion ultra secrète s'est tenue le 11 septembre dernier. C'était un dimanche à Bercy consacré à un plan de sauvetage des banques. L'État, évidemment, travaille. Évidemment, il travaille la main dans la main avec les banques parce que l'État est aux côtés des banques. Mais en revanche, je vous le répète, il n'y a pas de plan de recapitalisation des banques. Cette première banque européenne fauchée par la crise de la dette, Dexia, n'a pas résisté à la tourmente. L'établissement franco-belge s'est effondré aujourd'hui. C'est dans ce climat très difficile que Nicolas Sarkozy a reçu la patronne du FMI, Christine Lagarde. Elle veut une recapitalisation urgente des banques européennes. Nouvelle réunion à Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu Nicolas Sarkozy. Ils affirment être décidés à faire ce qui est nécessaire pour recapitaliser les banques. Recapitalisation des banques, nous le ferons avec nos amis allemands dans l'accord le plus total, parce que l'économie a besoin pour assurer sa croissance de financement. Alors sur ce plateau, nous avons rejoint Frédéric Lordon. Vous êtes économiste, vous êtes l'auteur entre autres de Jusqu'à quand, pour en finir avec la crise financière, avec les crises financières parues en 2008, et de La crise de trop en 2009, dans lequel vous plaidiez pour une refonte totale des structures bancaires et un système socialisé du crédit. Vous êtes également l'auteur de D'un retournement l'autre, c'est une comédie sérieuse sur la crise financière en alexandrin, dont Denis Podalydès a fait la lecture l'été dernier au 104 à Paris. Je vous remercie d'être là ce soir. Je sais que vous refusez absolument toutes les invitations à la télé. C'est donc exceptionnel de vous voir. Face à vous, Catherine Lubochinski, vous êtes membre du Cercle des économistes, consultante auprès de plusieurs établissements bancaires et financiers. Vous êtes l'auteur de Vers le financement monétaire des dettes publiques. Alors j'ai l'impression que pour l'instant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut sauver les banques. Là où on n'est plus tout à fait d'accord, c'est de savoir comment on va les sauver et surtout comment faire pour que les opinions publiques, en particulier en France, puisque là il s'agit de banques françaises, ne prennent pas la mouche à l'idée qu'on donne encore de l'argent pour les banques. Alors, quelle est votre solution, Catherine ? Je n'ai pas de solution miracle. Quelle est la solution ? Je voudrais quand même dire que c'est à peu près normal que la population prenne un peu la mouche, étant donné les milliards dépensés pour sauver, entre guillemets, les établissements financiers. Surtout si, par exemple, on regarde le taux de distribution des profits sous forme de dividendes. Sur les trois dernières années, à peu près 30 à 40% des profits réalisés par les banques sont distribués sous forme de dividendes. Aux actionnaires, donc. Donc aux actionnaires. Alors que c'est vrai, on pourrait se dire, étant donné que les banques savent qu'elles vont devoir se recapitaliser au cours des prochaines années, il y a des nouvelles réglementations qui vont être mises en place, elles auraient peut-être mieux fait de conserver cet argent-là et d'augmenter leurs fonds propres, puisqu'ils sont alimentés à la fois par des émissions d'actions et par la mise en réserve des profits réalisés. Donc ça, c'est un premier point. On comprend que la population puisse être un peu agacée de ce qu'on a appelé la privatisation des profits et socialisation des pertes. Ça, c'est vrai. Bon. Alors comment faire pour qu'elle ne soit pas encore plus agacée par ce qui va se passer maintenant ? Alors, d'abord, un des gros problèmes des banques et du système bancaire, c'est que les banques sont trop grosses par rapport à la taille des PIB des pays. En France, je crois que les actifs bancaires doivent faire deux fois le PIB français. Donc on comprend bien qu'un État ne peut pas sauver un établissement bancaire qui aurait uniquement des actifs toxiques à son bilan, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que ces actifs dits toxiques, on y met un peu ce qu'on veut, ne représentent pas une part aussi importante que ça. L'activité quand même essentielle des banques en France est de distribuer des crédits aux ménages et aux entreprises. Donc il faut se calmer là-dessus. Donc je crois que la première étape, ce serait de réduire globalement la taille des banques. Et ça vient petit à petit, si on regarde les chiffres depuis 2010, enfin 2009-2010, on voit un peu la taille des banques se réduire. On voit des établissements bancaires contraints de céder une certaine partie de leurs actifs pour revenir à une taille raisonnable, pour éviter qu'elles soient ce qu'on appelle too big to fail, c'est-à-dire trop grandes pour être sauvées par un État. Alors ensuite, les États, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les banques ? Alors ils peuvent effectivement entrer au capital de la banque, mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'ils exercent une véritable... qu'ils aient un vrai rôle dans les activités de la banque. Qui commande, vous voulez dire ? Oui, qui commande, enfin qu'ils soient aux commandes, on va dire. Et la deuxième solution, qu'ils peuvent aussi apporter des garanties au refinancement des banques. Parce que le problème des banques, c'est, si vous voulez, elles se... D'où est-ce que les banques tiennent l'essentiel de leur argent ?
qu'elles utilisent pour acheter des actifs. Elles ont un passif. Dans ce passif, vous avez les dépôts de la clientèle. Et puis, vous avez des refinancements, comme on dit, sur les marchés financiers, ou des emprunts sur les marchés financiers. Bon, les crises de liquidité qu'on connaît en ce moment, c'est parce que certaines banques n'ont pas beaucoup de dépôts de la clientèle et donc financent l'essentiel de leur activité par des emprunts sur les marchés. Les marchés, c'est-à-dire les autres, les contreparties, ne leur font plus confiance et elles ont du mal à se refinancer en ce moment. C'est du fait de, notamment d'avoir été dégradées par voilà, d'où une crise de liquidité qui après peut, alors qui est partiellement autoréalisatrice et qui peut déboucher sur des crises de solvabilité, c'est-à-dire des risques de faillite. C'est là où est le problème. Il faut restaurer la confiance dans nos établissements bancaires, en particulier en France. Ils sont quand même relativement sains. Il n'y a pas vraiment de soucis à voir. Frédéric Lordon, vous êtes plus radical. J'en ai peur. C'est-à-dire, il me semble que derrière toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle qui est une question de principe. Alors, je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009, parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. À propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse, et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale? Les gens le savent, alors ils sont un peu plus qu'échauffés, hein, je vous assure. On a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation de l'activité financière ou de transformation des structures bancaires. Donc, si vous me passez l'expression, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. Ça, c'est dans le cadre de cette hypothèse, hein, je me situe, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça ne marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça ne marche pas. Faire un chèque, ça ne marche pas. Une carte bleue, ça ne marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça ne vous mène pas loin. Hein. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un, et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Ce que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. C'est la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent tout ensemble. Ça pourrait se produire, d'après vous, ça? Alors, pour moi, si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance, qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé par pouvoir public interposé de venir au secours des banques, car si les banques calanchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème, c'est que de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Vitaux. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. C'est-à-dire, si toutes les banques tombent, ceci s'évapore dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Hein. Ça va si une banque ou deux tombent. Si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. C'est quoi l'intégrité du système des paiements? C'est le fait que les banques sont les teneurs de compte, qu'elles les mouvementent, qu'elles les débitent, qu'elles les créditent. Donc elles sont les opératrices. Elles les garantissent. C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu'elles opèrent très concrètement et très basiquement les transactions élémentaires. La gestion des moyens de paiement. Et, exactement. Voilà. Bon, alors, si vous voulez, là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage fleuri l'aléa morale, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on vous bassine avec la prise d'otage des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique, c'est énorme. Personne n'en parle jamais. Donc la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques, et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ses biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance, quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Bon, je trouve que poser la question, c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion. Il faut envisager la déprivatisation intégrale
du secteur bancaire. La nationalisation. Alors, la nationalisation est la première et la plus accessible des formes de la déprivatisation, ce qui est une réelle vertu en situation d'urgence. Mais ça n'est pas la seule. Cependant, pour moi, la chose est claire. Il faut envisager la nationalisation et pas une nationalisation crapoteuse, comme on l'a eu en 2008-2009, comme on va l'avoir de nouveau. Partielle, temporaire, sans intention aucune d'exercer le pouvoir, et avec l'idée qu'on sortira comme on pourra. Frédéric, on a eu des banques publiques qui n'étaient pas très bien gérées non plus. Mais écoutez, je l'attendais celle-là. Je vous réserve l'objection à l'objection. D'accord, hein. Ok. Donc, nationalisation intégrale et définitive du secteur bancaire. Mais ça va coûter un argent fou. En 1980, c'est ce qu'ont fait les socialistes en arrivant au pouvoir. Voilà. Ils ont pris 51% des actions, ça a coûté énormément d'argent. C'est la première objection. Ça va coûter un bras et l'État est rincé. Je fais observer au passage que l'État est rincé parce qu'il continue d'éponger les dégâts de la crise de la finance privée qui s'est prolongée en récession, qui s'est prolongée en austérité, etc. Oui, etc. Mais rassurez-vous, les banques ont perdu à peu près la moitié en termes de capitalisation. Ça va coûter moins cher. C'est exactement là-dessus que je compte. Oui. Alors moi, j'attends le moment fatidique. C'est-à-dire, on va se retaper assez vraisemblablement un moment de risque bancaire géant. Alors, on a laissé passer l'opportunité la dernière fois. Cette fois-ci, il ne faut pas la louper. Si jamais le risque systémique est matérialisé, les banques seront toutes en état technique de faillite, leur valorisation financière tombera à zéro, et c'est à ce prix-là que l'État les ramassera à l'appel et au petit balai. Saisie et réquisition de l'intégralité du système bancaire pour zéro euro. Ce qui ne dispense pas après de leur réapporter des moyens financiers, etc., pour les mettre de nouveau en condition d'opérer. Hein. Mais voilà, à mon avis, vers quoi on pourrait se diriger. Alors, à ce moment-là, il y a trois objections, si vous voulez, qui viennent. Il y a celle de Catherine Lubochinski qui dit « Ah, mais on a déjà vu la nationalisation bancaire. On a eu le Crédit Lyonnais. Le statut public des banques n'évite pas le sinistre. » Deuxième objection, le droit sacré de la propriété et des actionnaires. Mais enfin, si la valeur est tombée à zéro, il n'existe plus. Troisième objection, n'y a-t-il pas un problème du fait que par le truchement d'un pôle public unifié du crédit, à quoi conduit par construction? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule banque. Absolument. N'y a-t-il pas un problème à ce que l'État soit en définitive et en dernière analyse celui-là seul qui ait la haute main sur le robinet de la liquidité monétaire? Donc du crédit. Du crédit. Ça fait en vérité. C'est l'URSS. Ça fait en vérité deux objections très importantes. Je dis qu'aucune n'est insurmontable. Oui, mais enfin. Catherine, un mot. Un mot, c'est tout. Oui, non. On peut imaginer effectivement que l'État détienne la seule banque du pays. Il n'y aura pas de problème pour se financer et il n'aura pas beaucoup de contraintes en termes de déficit budgétaire. On ne peut pas faire un raisonnement maintenant comme si on vivait en autarcie. On est dans des économies ouvertes, on a besoin de faire du financement international. Et donc il y a certains critères à respecter, des critères de solvabilité, des critères de discrimination dans les risques. Là où je dis que tout le monde est un peu responsable de ce qui est arrivé. Il y a un coupable. Le coupable, ce sont les États qui ont laissé les entités privées, pour utiliser un peu votre vocabulaire, prendre le pouvoir. C'est-à-dire que les régulateurs ont été captés par des intérêts privés, les superviseurs n'ont aucun pouvoir, et donc tout ceci fait que les régulateurs n'ont pas mis en place la réglementation qui pourrait être utile. Alors on voit maintenant des pays réagir. Alors on voit la Suisse, par exemple, la Suisse avec ses déconvenues récentes. Eux, ils vont plus loin que les futurs ratios de réglementation bancaire qui vont imposer aux banques d'avoir plus de fonds propres. Ce n'est pas trop compliqué, nous. Non. Toujours, ils vont exiger que les banques en aient deux fois plus que ce que la réglementation internationale va demander. Les Suisses, chez eux, alors que les actifs bancaires, c'est quatre fois leur PIB, hein, au moins. Bon, France, c'est que deux fois. Donc on peut mettre des réglementations plus strictes, on peut diminuer l'effet de levier, réduire la taille des banques et surtout réfléchir au modèle de banque optimale. Vous avez aussi, dans différents pays, une réflexion sur est-ce qu'on ne doit pas revenir à scinder en deux les banques en fonction de leur activité, c'est-à-dire qu'il y a les banques qui font la gestion des moyens de paiement dont vous avez parlé et qui distribuent des crédits aux ménages et aux entreprises, donc la banque de détail, comme on avait avant, la banque commerciale. L'Angleterre, pourtant c'est l'antre du capitalisme, eh bien l'Angleterre a sorti un rapport il n'y a pas longtemps, qui est le rapport Vickers, qui réfléchit à cette possibilité de reséparer les activités dites de marché, qui sont plus risquées, des activités de gestion des moyens de paiement, qui normalement ne sont pas risquées, et c'est normal puisque ça gère les dépôts de la clientèle. Conclusion provisoire, Frédéric Lordon.
Il faudrait rentrer dans le détail de, toutes ces tous ces projets de régulation bancaire et financière. Il n'y en a pas un qui soit davantage qu'un filet d'eau tiède. Bâle 3 est mort-né et dépassé avant même d'avoir vu le jour, comme les deux accords de Bâle qui précèdent. La séparation des banques entre commerce et banques d'investissement est déjà laissée à la discrétion des banques privées elles-mêmes, et le rapport Vickers a quasiment tout abandonné en race campagne. Quant au projet Dodd-Frank, à la loi Dodd-Frank et la loi de régulation financière aux États-Unis, elle est quasiment éviscérée avant même d'avoir vu le jour, et son programme nous promet une mise en œuvre d'ici 2019. On a le temps de mourir quatre fois. Et c'est pour ça que je dis que les États doivent, enfin les gouvernements doivent reprendre un pouvoir vis-à-vis des intérêts privés. Absolument, ils le doivent, mais il faudra bien qu'ils le fassent et qu'ils s'en donnent les moyens. Et je ne vois pas d'autre moyen dans un premier temps que la nationalisation. J'ajoute que la nationalisation, si elle est le premier mot de la déprivatisation bancaire, n'en est en aucun cas le dernier. C'est-à-dire, je partage d'une certaine manière votre argument que la gigantesque banque, la ghost banque entièrement dans les mains de l'État, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle je pense que le système bancaire doit rapidement muter à terme sous l'espèce de quelque chose que j'appelle un système socialisé du crédit, qui restaure un double principe de localité et d'autonomie décisionnelle, avec des entités qui ne seront ni des sociétés privées par action, ni des établissements publics, mais qui relèveraient d'un tiers statut, sui generis, encore à inventer, mais dans lequel, en gros, on déploierait aussi loin que possible un principe coopératif, un véritable principe mutualiste, pas à l'image du crédit mutuel ou du crédit agricole qui l'ont dévoyé au dernier degré, hein, dans lequel toutes les parties prenantes seraient associées pour une part à la décision de crédit, c'est-à-dire les patrons, les salariés, les syndicats, les associations consommateurs, les associations environnementalistes, évidemment encadrées par des professionnels du risque de crédit, des représentants des autorités étatiques et monétaires, etc., mais qui rendraient enfin la finance à ceux qu'elle concerne au premier chef. Le système socialisé du crédit, c'est ce que vous expliquez dans votre livre « Une crise de trop » dont je faisais mention tout à l'heure. Absolument. Et c'est pour ça que j'insiste sur les termes. Il s'agit d'une déprivatisation qui prend d'abord la forme de la nationalisation et puis de quelque chose qu'on pourrait appeler une communalisation du crédit, puisqu'il est vrai que les conditions générales du crédit à l'économie sont un bien commun également, et qu'en tant que tel, ce bien doit être restitué au commun. Merci tous les deux. J'ouvre le débat à nos autres participants, Alain Madelin, Philippe de Saint-Robert, Anne Hidalgo. Les questions que viennent de se poser là se posent absolument partout aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Les solutions, se retirer du monde pour essayer de faire le modèle bancaire de la Corée du Nord, de Cuba ou de feu l'URSS. C'est pas ce qu'il a dit, il a dit lui-même qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau. Oui, ou communautariser, etc. Bon, c'est sympathique. Mais ce qui est vrai, c'est que la finance, c'est à la fois des dépôts que vous avez, et puis d'autre part un crédit. Crédit, ça veut dire confiance. Hein, c'est la même racine. Confiance, c'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez 10 ou 12 fois plus de crédit que de dépôts. Et si tout le monde va chercher de son argent, tout système bancaire, n'importe où dans le monde, s'effondre immédiatement. Donc, in fine, vous avez toujours l'État qui est la dernière, l'ultime garantie pour rétablir la confiance. Ça, c'est vrai. Ce qui, d'une certaine façon, on peut utiliser des mots, les mots qu'on veut, donne un caractère de bien public, au fond, à ce crédit et à la monnaie, et des obligations dites de service public, ce qui ne faut pas forcément d'en faire des crédits lyonnais et de les nationaliser, mais des obligations de service public et de réglementation. Il faut bien reconnaître que vous avez dans la finance deux types de finance dans la dernière crise. Vous avez la finance totalement dérégulée, les hedge funds, etc., où vous avez des règles de responsabilité. Ce sont vos fonds propres. Si vous faites des bêtises, c'est vous les payez vous-même. Et c'est pas ça qui a foutu le feu aux poudres. Et puis vous avez les banques elles-mêmes qui étaient hyper réglementées, aussi réglementées d'ailleurs que des centrales nucléaires. Et c'est là où on s'est aperçu que, effectivement, comme cela avait été dit tout à l'heure, on avait un bureau de poste devant, sympathique avec les dépôts, et puis derrière on avait ouvert un casino avec les mêmes. Or, c'est sans doute vrai qu'il faudrait qu'il y ait des règles différentes. L'idée de les séparer, c'est sans doute un peu trop simple, parce qu'on a eu une faillite qui était Northern Rock. Northern Rock, c'était une banque de dépôt pur. Puis vous avez une autre faillite qui était Lehman Brothers, c'était une banque d'investissement pur. Donc la chose est plus compliquée. Mais qu'il y ait un problème de réglementation, bien sûr, les Américains s'y sont lancés. Mais tout le monde le dit depuis 4 ans maintenant qu'il y a un problème de réglementation. Attendez, les Anglais progressent. La Suisse, ce qui a été dit tout à l'heure, a fait des choses tout à fait remarquables. Oui à la réglementation. Mais une fois que vous avez dit réglementation, ça suppose que par ailleurs, les gens comprennent le rôle du crédit. Quand j'entends dire chez votre ami Mondour qu'il n'y a qu'à
mettre sous tutelle les banques et sans indemnisation et supprimer toute spéculation. Mais la spéculation, c'est l'idée même du crédit. L'argent, qu'est-ce que c'est? Je prévois un futur, je déplace de l'argent vers le futur. Et puis il se trouve que c'est comme ça, si on parle d'un futur. Vous n'avez sans doute pas la même vision du futur. Vous, je pense que vous dites c'est Aubry, le futur. Vous, oui. Vous direz c'est Hollande, le futur. Vous, vous direz etc. Donc, il y a bien évidemment différentes idées du futur, ce qui explique qu'il y a des gens qui font des paris sur un sens et des paris sur un autre. Ces paris sont utiles à l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je parie que le dollar va monter, je parie que le dollar va baisser. Ce sont des choses qui permettent à un producteur d'avions de se garantir. Donc, toute cette finance-là, c'est absurde de la présenter comme quelque chose d'inutile. Qu'on gagne beaucoup d'argent, ça c'est vrai, mais que ça soit inutile, c'est faux. Ça serait supprimé si c'était inutile. Et donc, nous n'allons pas refaire le monde, la finance est ce qu'elle est. Elle mérite d'être régulée, indiscutablement. Elle mérite en même temps de s'insérer dans la finance mondiale. C'est pour ça qu'il faut se garder de ces idées qui consistent à dire ben, on va réinventer la finance et on va réinventer le monde. Ce monde, aimez-le ou quittez-le. Hein. Emmanuel Todd. Alors, je sais que je vais encore faire de la peine à Alain Madelin, qui nous parlait de la Corée du Nord, mais quand même, je crois que l'économie chinoise ne marche pas trop mal, et les banques appartiennent à l'État, là-bas. Mais les libéralistes, justement, ils ouvrent le crédit. Je veux dire, on peut avoir un fractionnement du secteur d'État contre les banques qui permet des mécanismes de marché tout à fait satisfaisants. J'ai trouvé la description de Frédéric Lordon et son argumentation spectaculairement convaincante. C'est-à-dire que vraiment, j'étais au départ partisan de la nationalisation des banques. Je ne prétendrai pas avoir été converti, mais j'ai vraiment été impressionné par la description faite par Lordon de banques prenant en otage ce bien public, les moyens de paiement. Et à mon sens, c'est le plus beau plaidoyer que j'ai jamais entendu. Mais on va y arriver. Et d'ailleurs, actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que les partisans des banques, les défenseurs des riches et du système financier sont déjà sur une ligne défensive. Quand ils nous disent qu'il faut séparer les banques de dépôt, les banques d'investissement, etc., c'est déjà une ligne de défense. J'ai pas dit tout à fait et ça. Je pense, qu'effectivement, ce qu'on sentait chez Lordon, c'est une conscience aiguë de l'histoire réelle qui se développe. C'est-à-dire de décisions qui vont devoir être prises dans l'urgence. C'est ça qui va se passer. Et ça nous ramène à ce qui va arriver au Parti socialiste. Je pense que le Parti socialiste ne pourra pas faire autre chose que nationaliser. Sarkozy, lui, donnera de l'argent aux riches, comme c'est son habitude. Et je pense que le Parti socialiste sera ramené à gauche par l'histoire. Mais on ne donnera pas d'argent aux banques parce qu'elles n'en ont pas besoin en ce moment. Philippe de Saint-Robert. Ne sachant toujours pas comment feront l'un ou l'autre de nos deux candidats avec la Commission de Bruxelles pour faire passer leurs idées, à moins qu'ils ne prennent Montebourg comme ministre des Affaires européennes, ce dont je me réjouirais, je voudrais poser une question à Emmanuel Todd. Ah non, il vient d'avoir déjà longuement la parole. Non, c'est pas la peine. Si. Je vais vous poser une question, puisque vous avez été un des adversaires du passage à l'euro. Oui. Qu'en pensez-vous maintenant et pensez-vous qu'on puisse encore s'en tirer? Je pense que si l'Europe passe au protectionnisme, l'euro est sauvable. C'est dans un contexte de regonflage de la demande intérieure européenne par la protection des salaires, on peut refaire des différences économiques et culturelles qui existent entre pays européens un avantage, ce qui rend l'Europe si intéressante et magique. Et je pense que si on reste en régime de libre-échange, et si simplement les pays et les économies et les sociétés européennes très différentes, je veux dire, dans leurs mœurs, dans leur façon d'être, sont jetées les unes contre les autres, et l'Europe continue de se transformer en système de domination hiérarchique, avec l'Allemagne à sa tête, l'euro est tout à fait condamné. Donc c'est conditionnel. C'est-à-dire que si on passe au protectionnisme, gardons l'euro, c'est ce que je préférerais. Oui. Mais si on ne bouge pas sur le protectionnisme, débarrassons-nous de l'euro parce qu'il fait trop de mal à la France. Revenons aux banques. Oui. Comment les sauver et à quel prix sans que tout le monde soit furieux? D'abord, très vite. Mais la violence de la crise est telle que j'ai même entendu Alain Madelin dire qu'il était pour la réglementation. Donc vous voyez quelle évolution. Pour la réglementation. Mais j'oublie et cette. Et même le tout-big tout seul est un gros problème. Non, mais c'est une petite boutade. Il faut que simplement, les banques sont trop grosses Madelin, pour nécessiter le sauvetage de, pour Alain exiger Madelin, le sauvetage de l'État. Je reviens sur la démonstration qui a été faite tout à l'heure. Oui, en 2008, quand il y a eu la première énorme crise financière, les banques ont été sauvées, les peuples ont été mis à contribution, il n'y a eu aucune contrepartie. Elles n'ont tiré aucun enseignement. Mais ça n'a rien coûté à l'État. Vous reconnaissez que ça n'a rien coûté à l'État. Et ça a beaucoup coûté. Que l'État a loué sa garantie et que l'État a gagné au passage 2 milliards. En termes de compétitivité, en termes d'emploi, en termes de confiance des peuples, en termes de souffrance des peuples. Ça a énormément. Regardez ce qui se passe en Grèce et vous allez me dire si ça n'a rien coûté.
y compris de souffrance des peuples. Mais la crise, donc, pardon, la crise de la dette grecque, c'est une crise de la dette souveraine. Oui, c'est une crise de la dette souveraine. Et la crise que nous avons des banques aujourd'hui, sur la dette, ce n'est pas une crise de la spéculation et des méchants, c'est une crise des dettes souveraines qu'on ne sait pas comment rembourser. Alain Madelin, la crise grecque a été amplifiée par les plans d'austérité et par le fait que les banques, le système financier mondial s'est fait aussi de la spéculation sur le dos de la situation grecque. Mais je continue. Oui, sur les banques. Il va falloir le système spéculation, c'est vous, c'est nous, ce sont les réseaux. C'est la retraite. Mais jusqu'à quel point on nationalise ou pas? Il faut des contreparties très très fortes. D'abord, je suis d'accord pour qu'on aille vers la séparation, et Martine Aubry l'a proposé, des activités de dépôts et des activités sur les marchés des banques. D'autres l'ont fait. La France est totalement timorée sur ce sujet. Regardez, ça a été dit, l'Angleterre, les États-Unis. Donc il faut avancer. Nous sommes pour la création d'une banque publique d'investissement également, pour l'entrée de l'État dans le capital des banques, donc pour qu'effectivement il y ait un contrôle de l'État sur le système bancaire. Nous sommes vraiment pour cela. Je pense aussi la piste qui est évoquée comme la piste de la socialisation, notamment du capital d'un certain nombre de banques, c'est-à-dire un système mutualiste réel, pas le dévoiement de ce qu'on a vu effectivement dans certaines banques françaises. C'est aussi une piste. Il y a un secteur qui est très dynamique, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui intervient aussi sur le financement de nombreux projets. Ça ne peut pas être la seule solution, mais en tous les cas, c'est une des pistes sur lesquelles il faut bien sûr travailler. Alain Guyard. Oui, j'ai trouvé sympathique ce que le monsieur avec Frédéric Lordon. Oui, voilà. A dit, c'était je trouvais très intéressant parce qu'en définitive, il nous invite à prolonger un peu le mouvement de la prise de la Bastille parce que la démocratie s'est arrêtée aux portes de la finance. Et ce qui semble transparaître dans son discours, et c'est assez heureux justement, c'est que en fait, ces affaires-là, les citoyens peuvent et doivent s'en emparer. Donc j'ai trouvé ça assez heureux. Même si son propos un petit peu inquiétant ou alarmiste sur l'épargne et puis sur ceux qui ont de l'argent en banque et qui risqueraient de le voir fondre, bon, il est un peu... Enfin, je connais pas beaucoup de monde qui ont vraiment quelque chose qui risque de fondre en banque. Hein, Ça fait rien, c'est par là que passent tous les salaires, de toute façon. Oui, c'est vrai. Mais enfin, sitôt qu'il passe, aussitôt il trépasse. Hein. C'est un peu ça le problème. Mais sinon, bon, moi j'ai toujours cette vieille nostalgie, vous savez, l'expression de Brecht, hein, entre un homme qui crée une banque et puis un autre qui l'attaque, lequel des deux est le plus moral. Frédéric Lenoir, est-ce que c'est François Hollande... Moi, je ne suis pas le porte-parole de François Hollande. Bien entendu. Hein, voilà. Est-ce qu'il devrait nationaliser les banques? Je ne sais pas quel est ce qu'il a dit sur ce plan-là. Je pense qu'il a plutôt parlé de régulation et que beaucoup de choses qu'a dit Anne Hidalgo correspondent tout à fait à cette politique d'encadrer effectivement beaucoup mieux le système bancaire et de taxer la spéculation financière. Mais ça me paraît, je vais vous le dire très franchement, ça me paraît des rustines. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on fera actuellement, et ce qui est déjà un énorme progrès par rapport au libéralisme actuel et à la politique de Sarkozy, tout ce qu'on fera dans un gouvernement de gauche pour essayer d'encadrer les choses, pour essayer d'être plus juste, etc., resteront peu de choses par rapport à l'ampleur du problème. Et là, je partage l'analyse de Frédéric Lordon. Je pense qu'on va vers des catastrophes bancaires à répétition et qu'il y a parce que uniquement on sera dans des catastrophes extrêmement graves qu'on sera obligé de changer complètement le système. Mais on ne pourra le faire que parce qu'on sera dans la catastrophe. C'est le philosophe Hans Jonas disait très justement, dans le monde interconnecté complexe dans lequel on est, on ne pourra plus avoir qu'une éthique de la catastrophe. On ne va pas décider comme ça autour d'une table, ah, ce serait mieux de changer ça et avoir une politique volontariste. On n'y arrivera pas. Il n'y aura pas assez d'États qui seront convaincus. Il y a trop d'instances différentes à faire bouger. Et donc malheureusement, j'ai envie de dire, comme dans l'écologie, il faut qu'il y ait une centrale nucléaire qui explose au Japon pour qu'on commence à se dire qu'il faut peut-être se retirer du nucléaire. Et bien c'est parce qu'il y aura une série de catastrophes bancaires extrêmement graves qu'on va pouvoir sérieusement... Oui, mais elles vont continuer. Mais là, on aura les moyens, l'opinion publique sera prête, faut changer, et les financiers, et les politiques du monde entier, parce qu'on ne peut pas vivre isolé, si vous voulez, seront prêts, je pense, à ce qu'on change profondément le système et à encadrer beaucoup plus les banques. Alexandra Barin, dernier mot sur cette question avant qu'on change de sujet. Mais moi je me reconnaissais dans l'éthique de la catastrophe, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai entendu banque, j'ai pensé à mon compte, à la taxe d'habitation. Enfin, si vous voulez, on peut parler d'Harry Potter, du coup. Ah oui, c'est vrai, vous faites Harry Potter, oui, c'est vrai. Il faudra que vous me racontiez un jour. Je propose tout de suite de changer le sujet puisque la France va rendre les